Quelques années ont suffi à la technologie pour qu'elle devienne le centre d'intérêt de nos petites vies. Et comme certains dandys l'avaient prédit, elle n'est pas seulement le fruit de quelques chercheurs qui souhaitent que le monde et ses hommes soient meilleurs, mais bel et bien le résultat d'une espèce majoritaire qui font d'elle la péripatéticienne d'une nouvelle ère. Vendent leur PC et leur Mac à des cracks du hack, à tous ces nouveaux pirates qui naviguent et surfent aux abords de la loi. Sur le net, pas de keuf, l'internaute est son roi. Et même si cet océan est le lieu de tous les vices, des drapeaux de connaissance en haut des masses hissent. Et tandis que plusieurs millions de gamers sauvegardent leur vie sur des milliers de serveurs, d'autres se réjouissent de tous ces téraoctets qui glissent de la toile à l'écran jusqu'à la tête. Aussi voudrais-je annoncer aux cybermélomanes le message personnel d'un mégalomane. Pourquoi freiner le partage de la musique? Elle a traversé les âges et depuis des temps antiques, elle nous transporte dans des univers parallèles. Elle exporte des prières éternelles, lesquelles apportent aux bonnes gens d'ici-bas quelques réconforts de l'amour, de la joie. Même Cro-Magnon, avec tous ses compagnons, tapait du tambour et poussait la chanson. On n'y peut rien, c'est dans nos gènes, pas la peine de combattre ce qu'est la nature humaine. Laissons la culture faire son devoir d'instruction, qu'elle passe par les livres ou des HPO définitions. Alors échangez vos savoirs, partagez la musique, faites tourner toutes celles qui selon vous le méritent. Écouter des centaines d'heures de musique différentes, n'est-ce pas là le bonheur? Une liberté délirante. Avoir le choix ne doit pas être un privilège. Que la musique soit, que résonnent les arpèges. N'écoutez pas les producteurs, ni les maisons de disques qui accusent les baladeurs de tuer les artistes. Les ventes et les rentes n'ont certainement pas diminué. Ils continuent de vivre de leur son labellisé. Seulement ces requins voient passer le gros poisson, sans qu'ils n'en tirent rien, sans qu'ils n'en touchent un rond. Téléchargez, 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 téléchargez-moi. Téléchargez, 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 Dieu vous le rendra. Téléchargez, 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 téléchargez-moi. Téléchargez, 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 Dieu vous le rendra. Pas surpris, ne soyez pas outrés. Les vrais artistes ne vivent pas de la vente des CD. Ils vivent des concerts qu'ils aiment tant à donner. Faire danser nos frères est un noble métier. Aller voir des spectacles et des animations pour oublier ses malheurs est la meilleure des solutions. Si le show vous étonne,
que les chansons sont bonnes. Promis, je vous pardonne la gravure de mon album. Et quand bien même si après ça vous souhaitez prolonger la fête, vous pouvez toujours me faire coucou sur internet. Cela dit, et pour conclure, je propose une idée cadeau pour vos parents et vos sœurs ou votre alter ego. Un joli CD muni d'une belle jaquette sur une étagère, ça gère, c'est quand même chouette. Téléchargez-moi. Téléchargez, téléchargez, téléchargez.